dégage, hein, et je t'emmerde. Non, mais il est plus rapide que moi. Va-t'en, méchant. Voilà, Stackwhite, dégage. Ce moment gênant où tu vois que le deuxième nœud le plus riche, il a deux fois moins d'or que le tien. Oh putain, c'est quoi, énorme. C'est quoi le deuxième nœud le plus riche? C'est Constantinople, il a 30. Ouais. D'accord. Je fais 52 thunes dedans. Non, ah, oui. 4, tu attaques la Poméranie. Tu es un monstre. Je suis en train de remarquer que vous êtes en train de me sucer mon argent. C'est assez exaspérant. Merci. Mais il faut absolument que je fasse des idées économiques là, parce qu'ils sont en train de me saigner et ça m'énerve. Tu arrives pas à alimenter ta grosse armée, je crois ? Ah bah pour le coup, non, pas vraiment. Oh, ta grosse armée, je crois. Tu demanderas à ton allié anglais de te filer ? Bah l'anglais m'a filé 1000 balles hein, sur cette game. Oh, putain, sinon, mais... Quand c'est pas Ghost, c'est Owen, tu sais. Ah, mais moi je file pendant les guerres, mais pas en dehors. Ah bah je suis en guerre, tu peux pas me donner de l'argent ? Moi aussi ! Voilà, contre des tapis ! Je respecterai nos accords, Owen ! Tu es bien la dernière personne à qui je donnerai de l'argent, Pépé. Oh, pourquoi ? On a aucun globalement... Parce que t'es un arabe ! Non, je suis pas un arabe déjà ! Essayer d'expliquer ça à Owen, c'est comme essayer d'expliquer à un porc la différence entre Beethoven et Bach, tu sais. Il va te regarder avec des yeux amorphes. Un bac à sable ? Elle est bonne. C'est moi. Le français, je peux t'allier, veux-tu rejoindre ? Je peux t'allier. Ça servira à rien, on a déjà gagné, mais bon. Youn Star qui a des victoires, c'est ça fait bizarre d'entendre le sourire dans la voix de Youn Star. Non mais là, ça se passe encore mieux qu'en solo, quoi, pour une fois. Alors, qu'est-ce que tu me donnes, le Tlemcen ? Non, c'est insuffisant, je veux te saigner, te mettre tellement à genoux. Non mais je veux qu'il me respecte, qu'il soit là en train de m'appeler maître. Mon seigneur, mon sultan. L'Ottoman a enfin ses frontières du début de la game en Europe. C'est clair, ça fait 3 fois que je retourne à mes frontières initiales. Le Tlemcen, c'est plus un rival valide, mais allez vous faire foutre, quoi. Voilà, hein, t'as la merde au cul, hein, le Tlemcen. Connard, ces imbéciles. Tu devrais avoir honte. Chouan, je te les envoie. Jamais t'auras vu des hommes monter de la sorte. Oh, oh. J'en frétille. Voilà, plus de guerre civile anglaise et monarchie absolue. 125 de discipline, c'est pas mal ça. Ouais, petit salaud. Oh, Staline et Shlomo. Un radin, un alcoolo. Ah, les meilleurs titres de l'entre-deux-guerres par Francis Kunz, un de mes classiques. Certaines choses ne vieillissent pas. Ouais, avoir une inflation en dessous de 5, je suis à 12. Ah la vache, quand même. Ah, avec ma mine d'or, mine de rien. J'ai 2 mines d'or, hein, ça monte. Hein. Mine de rien. Oh, oh putain, mais carrément, t'es déchaîné. Je merde. Crois que je vais aller me pendre. Veuillez m'excuser, je reviens. Ça sera ça, c'est dans le bruit de la corde, d'ailleurs. Mais qu'est-ce que tu fais? Je suis déjà mort, mais ça, vous le savez. C'est pas d'accord, mais tu es déjà mort. Hein. Star est mort-né, tu vois. Je fais un mélange bizarre de trucs et de bidules. Tu m'étonnes quand je vois la gueule du plombier kosovar que ta mère a baisé en cachette pendant que ton père passait l'aspirateur. Comment ça se passe? Ah, mais... Ça va Il est encore bouché. Ah bah qu'est-ce que tu veux? Y'a pas que sa bite qui est bouchée, y'a aussi l'aspirateur. Putain, et c'est allié à Tripoli, fils de pute, c'est la première fois qu'il me le fait ça. Bon bah tant pis, hein. J'irai lui péter la gueule après Tripoli. Ah, j'ai enfin des nobles maintenant, du coup mon manpower... Depuis que je les ai muselés, ils sont attachés, ils sont obligés de faire ce que je veux. Enfin, tu sais, quand tu passes la moitié de la game sans noble, tu le sens passer le coup. Ah bah tu sais, quand tu passes la moitié de la game avec un coup des nobles, bon, tu le sens passer. Oui, mais Youn Star, toi t'as passé la moitié de la game sans pays, donc... Oh, pas sympa. Désolé, Youn Star. Il ressemblait à rien, mais j'avais un pays. M'excuse, j'étais trop loin. C'est une merde, voilà, dégage, voilà. Ma mère à chaque combat Skype, je n'en fais pas toute une histoire. Mon cher Camille, ta vie est une défaite. Alors, fils, toujours une grosse merde. Mais oui, mère, merci de t'intéresser. Moche, t'as et toi, la mésopause, comment ça se passe? Toujours en pâte de crépon. Et le Brandebo, je crois que je vais le garder en allié parce qu'il fait plutôt mal à l'armée de 4. Ah, il fait très très mal, c'est lui qui fait mal. Hein. 120 000 contre 20 000 et le machin, il tenait... tranquillement. Kat arrive avec une armée de 70k paquet. Bon, là, on va ramener Darfish, on va le rappeler. Ton pays est encore vivant. Mais le peuple chez moi, il est fouetté tous les jours et ça va très bien. Je suis à 3 de stab. Eh, mais Mabs va gagner. Ah oui, Mabs est en train de. Ah oui, la fin du Clemson peut-être. T'en as rêvé, Sayuna. Ah putain, tellement. Ah non, mais là maintenant il a la merde au cul. Hein. Il a perdu son mainland, il se retrouve du côté de Tunis. Hein. Berlin a été prise par les Prussiens, j'y crois pas. C'est beau. Alors qu'il y avait même pas de clem dessus, tu vois, genre Kat il est arrivé et il avait... Dès que je mange dans l'Empire, je me mange des trucs, c'est pour ça que à la base je voulais prendre Luxembourg et Trière, mais j'ai fait bon... Mais vu que l'Empereur semble inoffensif, autant... L'Empereur est désespéré, nuance. Vu que l'Empereur me laisse l'Empire, moi je mange l'Empire, mais je me mange des coalitions de ses copains. L'Empereur voudrait bien être là jusqu'à la fin de la game, donc t'as... Exactement ça, donc il baisse ton franc à tout le monde et il dit « Oui, oui,
pas tant que ça marche. Carrel, je t'envoie un diplomate. Okay, non, parce que, non, parce que ça fait deux fois que j'ai l'Even Border Friction, donc je prends toujours les moins 50 de relation avec toi pour éviter de perdre mes points diplôme. Oh quoi, tout le monde est content. Il n'y a plus un seul rebelle ici. Ah bah oui, je m'en Tout le monde est content d'aller à la mosquée tous les matins. Oh, Kilwa est venu se poser à Madagascar, c'est bon. Est-ce que le vieux roi autrichien va mourir? Enfin, le vieil... même pas le vieux roi, le vieil empereur. T'as mes mammouth connards, tu pourrais pas te casser la gueule. Il est pas vieux, il a 27 ans. Il a 27 ans, mon roi ? Bah oui, il a 27 ans. Ah oui, c'est vrai, il est mort. Ah oui, mais l'autre a 15 ans, c'est pour ça que j'ai une illusion d'optique, tu vois. Oh. Au final, il est pas mauvais, ton Maximilien ? Non, il est pas trop dégueu. Son fils est pas mal, mais sauf en militaire, ça qui m'inquiète. Genre, Albrecht, un militaire, était enculé. Ouais, quoi. Bah moi, justement, ce que je voudrais, c'est Super Cool Wattacide qui monte sur le super cool Wattacide. Le fameux Super Cool Wattacide. D'ailleurs, à propos de ça, j'ai un espèce d'héritier 3-4-6. Vous voyez pas mes conseillers, mais j'ai un conseiller, j'ai deux conseillers noirs, hein, Abdullah Bariam et Adama Aboud, ah qui sont des bédouins, un philosophe noir déjà, pardon, mais... ça existe. La négritude a son, pas son plein. C'est la décadence, ça, de laisser des noirs penser. Dis-moi, le français, tu comptes bouffer l'Aragon? Ah oui. 3, 2, 1, allez, Mahmoud. Le mec, il fait un lancement de fusée aérienne, tu sais. Bah, c'est carré, c'est la partie excitante de sa game, c'est aller taper l'Aragon. Allez, Mahmoud, crève. Dégueulasse. Ah, mais le niveau ici, tu sais, franchement. Bah, on n'est pas comme ton salon de lecture à ton bar où tu reçois la fine fleur de la crème voilà, bruxelloise. Il a vraiment un salon la de lecture. Petite bourgeoisie. Ouais, il a un peu au-dessus de la salafiste, tu vois, il a le petit salon de lecture, tu sais, pour lire le dernier chef-d'œuvre d'Éric Zemmour, tu vois. Enfin, voilà. Mais je vois que le pape a profité pour aller finir Crémone. Ça te dérange? Oui, ça te dérange, mais t'inquiète pas, on en reparlera avec le français plus tard. D'accord. Il a pris la crème de la crème. Gardez nerf dans. Oui, les Croates occidentalisent, j'annonce. Ah la vache. Du coup, Youn, je te laisse prendre les baléares. Vite, claimons le trône de Kat. Oui, il a pas d'héritier. Faisons des bébés. Prends crayon, Chouan. S'il crève, il y aura une guerre entre toi et moi. Ah, entre moi et toi, oh Chouan. Sauf que la Prusse va être de ton côté, donc forcément... En plus, ça risque d'arriver. Oh non, il y a 27 ans. En Prusse, côté PD, hein, ça va. T'as déjà vu un bon gros vagin de vache, mec? Oh, oh, oh. Quand tu mets la main dedans et que ça fait caca, après, juste en... c'est juste... Oh. C'est un peu chaud, comme ça. Chouan, tu sais comment me parler, toi, hein. Je te connais. Oh, c'est dégueulasse. Pépé, il bosse en esclave et en café. Manque plus que l'ivoire. Moi, je suis le boss en tellement de trucs. Je suis même le boss en poisson. Putain, badass. Poisson, c'est 10 de conversion culturelle en moins, hein. C'est pas négligeable. Comme ça tu que les fouettes les gens du saumon. Deviens anglais, fils de pute. Et ça va. Chouan, en saumon, mon préféré. Oh, le pape qui a la Corse et la Sardaigne, c'est beau. Ça y est, pour la première fois depuis 100 ans, j'augmente la taille de mon armée. C'est beau. T'es à combien? Je ne vais pas le dire, ça pourrait faire peur. L'arvette d'une star fait peur aux chiens. C'est comme si quelqu'un dans la rue disait « Salut, je vais m'occuper de toi ». C'est vrai que ça fait un peu... Tu prends combien? Mais non, c'est gratuit. Oh putain, des catholiques dans mon empire. Je suis outré. Je gore la province et j'envoie immédiatement un imam convertir à la vraie foi. Si t'en as quelques-uns en rab, je dois avoir 30 provinces à convertir, moi. Oh putain, l'Autriche. Où est passé l'Autriche? Oh, Richelieu, il y a 100 de militari, de diplomatique, d'administrative, un de stabilité et ça diminue l'autonomie partout. Okay, genre le mec, il claque sa bite et il dit c'est moi qui gère, quoi. Ouais, à peu près, ouais. Et on est quand même pas loin de l'historique, genre Louis XIII, Richelieu, on est pas loin quand même. Hein. Par contre, c'est vrai que Aymeric de Valois, il a jamais... Aymeric de Valois. Le mec, même la ville l'a pas respecté, elle l'a appelé Aymeric. Et Mahmoud qui veut pas conner, qui veut pas crever, connard. Je viens d'avoir Marie Crousse qui fait que mes techs sont 5% moins chers. Oh, c'est sale ça aussi, pendant une soixantaine d'années, pas une cinquantaine d'années là. La Prusse m'a annoncé en rival. Étonnant. Pourquoi j'ai que des conseillers pourris? C'est normal, t'as des Espagnols et des Portugais. Hein. Bon, les catholiques, à la mosquée. Oh, tu dis pas comme ça, Youn. Allez, les catholiques, allez les vieilles. Allez, directement, et puis attends, tu vas voir, moi j'ai envoyé mes armées pour tabasser les récalcitrants à coups de pied. Le russe, il a Craco. Ah oh bah moi je m'en fous, le russe c'est mon ami, hein. Ah ouais, le russe c'est Kat, mais... Oh mais ce doigt qui rentre à l'intérieur de la Prusse. C'est beau. Moi Kat, ça, au contraire, ça me fait plaisir, parce que ça veut dire que Chouan va être encore plus fort contre toi. Alors parce qu'on dirait la bite de Chouan qui rentre véritablement dans le cul, hein. Ah mais oui, là vraiment, genre il titille la glotte. Ah mais c'est plus titillé, là, c'est un Iron Fist en belle forme. Parce que là maintenant, Chouan peut avoir des vues sur toutes les enfin sur tous les pays baltes et sur toute la Valachie, quoi. Et ça... Oui, mais à mon avis, il va devoir la rendre, la province. Ça maintenant, ce autrichien. Chouan, est-ce que tu re-suivrais avec eux?
veux une guerre Il aurait tout à gagner, hein. Ah bah là, Chouan, s'il suivait, il pourrait prendre Ratibor et couper la Prusse en deux. Je crois qu'il est très un Québécois. Un cardinaliste. Oh, un enculé bien. Qui me spam sur Steam. Pépé, mais putain, mais arrête, me spam, enculé. Pépé, c'est toujours quand tu filmes qu'il y a ça. Tu joues à Company of Heroes avec moi? Qu'est-ce que tu penses de Heart of Iron 4? Oh putain. Oh putain, alors là, mec. Est-ce que toi aussi t'as besoin de porter des lunettes pour jouer à Civilization 6? C'est vrai que le design de Civilization 6 est un peu étrange, mais il est ignoble. C'est vrai que ça ressemble vachement à un jeu sur tablette, quoi. Ah, mais c'est sûr, hein, niveau graphisme, ça a pas dû leur coûter bien cher, hein. Ah putain, une couche de peinture sur le truc, et puis ça y est. Développé par trois Roumains dans un garage. Regardez notre dernier design. Ouais, avec tous les susboules là qui font des vidéos dessus, genre à dire, ah, mais c'est trop bien, Paradox, il m'a donné 50 clés. Ouais, jamais personne qui me donne 2 clés. C'est parce que t'es une teigne. Ah, pas faux. Caral, tu es une catastrophe pour ce pays. Ouais, j'avoue. Ce jeu, il est trop fun. Moi, j'ai joué à la dinette, c'était vraiment bien. Notre rêve est fini. Non. Ouf. Ça y est, ça va péter. Oh là là, mais putain, mais le deuxième scène qui découvre mon réseau d'espionnage. Mais non, y'a pas de réseau d'espionnage, c'est faux. Putain, le Clemson qui vient de me voler des marins et de l'argent avec ses raiders là. Je ne peux pas intervenir, je suis en trêve. Jusqu'en 29, dans 4 ans j'y retourne. Si tu n'interviens pas, Eustace, c'est une déclaration de guerre. Va-t'en, méchant. Je veux pas perdre 5 de stab pour tes beaux yeux. Bon, je le dis, hein, parce qu'au final y'a rien de secret. T'as l'Autrichien qui me dit, préparons-nous pour la deuxième guerre. Et Kat qui me dit, l'Autrichien va-t-il revenir? Ah bon? Ah voilà, c'est très bien, ça y est. Les catholiques ont été convertis. Ils sont maintenant dans le droit chemin. Je suis Younstar le méchant. Tu vas mourir avec ma baguette magique. Méchant. C'est rire. Est-ce que mon cher anglais veut aller prendre Geldre? Si tu me le vends Ah non, je te le vends pas. Tu dois aller prendre Manu Militari. Bah ça serait peut-être mieux que j'aille bouffer le Brabant en fait. Oh, Daily me donne 165 de thunes tellement il a peur de la Perse. Ah ouais, quand même. Genre, je vais pas oublier Daily. C'est quoi les troupes à Cracovie? C'était pour empêcher une révolte. Ta révolte, 4. Putain, il a 5-7 de morale, le Perse. Petit bâtard, quoi. Pourquoi tu veux une alliance, l'Autrichien? Tu as peur? Non, j'ai pas peur, mais c'est pour préparer le terrain. Oh, je suis premier en vêtements, du coup, j'ai moi 15% de maintenance des mercenaires. Et vu que j'ai énormément de mercenaires. Le pauvre Perse, comment il s'est fait manger comme une merde. Bon, le Brabant, lui, quand je vais le manger, putain, il a combien de devs, ce cochon? Un gros. 200 de devs, quoi. Oh, putain. La Hollande, ouais. En Zélande, elle a 39 de devs dans une province. En fait, mes rois, ils arrêtent pas de mourir parce qu'à force d'entendre Caril, ils se suicident. C'est compréhensible. Allez, on y retourne. Mais non, viens ici, c'est pour rigoler. Viens ici tout de suite. Ah, c'est bien, t'es gentil. Bah, tu vas te faire massacrer. Tu pourrais pas crever, mon sultan, s'il te plaît. On attend super cool Watt Acid, hein. Non, mais pourquoi c'est toujours les mauvais qui restent le plus longtemps? Regarde, cool. Il a depuis le début, hein. Oh non. Bon, il serait peut-être temps que je perde ma manpower, là, je suis remonté, les gars. Et bah alors, on va aller tous se suicider. Pas sans ne. Rien faire, c'est la préserver. Ah oh oui, une connaissez classique, ça me plaît. Les prisonniers. Et Karel, par contre, parle. Chante pas, Karel. tu détruis la chanson, Karel. Le retour du grand amour de Jeanne et Serge. Oh, la France qui me déclare en rival. Je demande un mariage royal. À moi? Bah bien sûr. Non, pas à toi. Tu vas avoir la merde aux fesses, enculé. Tradition ou haram? Bon, on y va. T'es pas chaud, Chouan, là. Bon, voilà, maintenant, comme a dit là, ça a chier. Finis ta guerre, Chouan, et puis on y va. En plus, Pépé a envie de se battre. Toute l'Afrique du Sud est colonisée, sauf le terrain intérieur, mais ça, on s'en bat les couilles. C'est bientôt les infanteries du Sud, d'ailleurs. La position Gustave Adolphe de Kaiser, de retour. Je conforte ma position en Asie. Tu es un nazi. Je le savais. Ça a jamais été un secret, en fait, mais... Oh, il est mort. Oui. Super cool. Et au pouvoir. Oh, putain, mort. Oui. À 50 ans, c'est la plus belle chose. Il pouvait jamais marier. Oh, merci, connard. Moral des armées, plus 10%. Putain, mais c'est Nana Yurem Ulouch. Et voilà, encore une fois, j'ai grossi. T'as mangé. Tu es énorme, ça. Ouh, l'Andalousie. Bon, dépêche-toi, Chouan, qu'on déclare la guerre à la Prusse, là. Ah ben, je suis bon, moi. Tes armées, elles sont au bout du monde. Je sens que Chouan va nous faire une bite, là. Je le sens bien, tu sais. Tu sais, on va partir avec Chouan, et puis il va dire, oh non, je fais la paix direct. Puis Chouan, t'as pas mis de claim. Mais Chouan, dépêche-toi. Mais nous allons peut-être avoir une frontière commune. Fais un claim sur Ratibor, putain. Non, pas Ratibor.
Si c'est que quelqu'un seul. Fasse un claim sur cette province. Ah, je vois des Ottomans qui défient au pas de loi. Oui, oui, je au pas de loi, ouais. Le pas de loi, tu les surestimes un peu quand même. Hein. C'est le pas au du pas... canard. Hein. Et encore. Au pas de loi, ouais. C'est plutôt encore... pas de porc. Encore une victoire de canard. Alors, on l'a fait cette guerre ou pas avant que mon Dédé s'arrête? Carré, ne sois pas trop gourmand. Hein. Regarde ce que j'ai investi à Co. Ça me rapporte énormément dans mon nœud. Tu la veux à combien? C'est un corps français. Tu me l'as fait à combien? Ah non, mais moi je veux pas d'argent. J'en ai juste besoin pour mon commerce pour l'instant. Hein. Quand je serai indépendant de cette province, je te l'avance sans problème. Mais pour l'instant, c'est pas le cas, pour malheureusement. C'est niette, Karel. Ma trousse avec l'Islande a été terminée. Ta trousse? Il t'a volé ta trousse à l'école? Le déclin du trait des épices. Ça commence bien, tu sais. Oh, mais ils font chier, ils sont tous en guerre dans l'Empire. Bon, bah c'est pas maintenant la guerre alors. On viendra. J'ai fait une croisade contre l'Ottoman. Moi, je me bats pas sans les 40 000 hommes du Prussien et les 40... enfin, du Brandebourg et les 40 000. C'est qui le chef de la curie? Ma première colonie est finie! C'est qui le chef de la curie? C'est Mainz. À l'Amérique. C'est le Mainz. C'est Freddy là. À vous, il est beau ce jeu de mots, non? Freddy Jean-Jacques là. Ah non, il s'appelle Sébastien. Dis-moi, Win, sur la table d'Autriche, est-ce que tu suis contre nous? Non. Il y a eu une guerre qui a affaibli le Prussien, c'est tout ce que je voulais. Chouan, est-ce que tu suis? Oui, bien sûr. Tu crois que Chouan il va rester derrière à me regarder mourir et lui pourra plus rien faire en Europe? Ça serait drôle quand même. Ça serait hilarant, ouais. Genre comme il a fait au Brandebourg. Et c'est personne n'a claim la province de Ratibor. Il est passé de super content parce qu'il a gagné, son fini était fini. C'était jouissif, franchement. Oh, je me fais 111 dans mon nœud. Il a les infanteries Gustave 4, ça va faire mal ça. Hein. Bravo, hein, le fair play, tout ça. Allez, du gros russe là, c'est pas gentil ça. Bah, même moi, hein, je peux pas encore la passer la tech. Hein. Merde, le Brandebourg a une héritier, fuck. Ah, l'Autriche n'a pas d'héritier d'ailleurs. Il vient d'arriver le débile aussi. Hein. On va vraiment avoir le trône de 4 disputé entre l'Autriche et la Russie. L'Autriche et la France cette fois-ci. Ah putain! Non, elle a les Cologne! Les Lancaster en Prusse! Les Lancaster en Prusse! Les Lancaster en Prusse! Je veux un Valois sur le trône prussien. Ça peut appeler ça le bal prussien, hein, devenir pédé parce que. Ah bah quand tu vois le nombre d'hommes qu'il y a à la frontière. Ah, les Italiens, moi il y en a plein hein, à côté de chez moi. Ah, c'est, tu veux des Italiens côté de chez toi. Ah non, ils sont plus là, ils sont partis. Tes sources de renseignements, Kara, ils laissent à désirer, tu sais. Il y a quelques mois, j'avais 70 000 Italiens à ma frontière. Enfin, si, je peux pas dire que je joue pas RP. C'est bon, les gars, j'ai un claim. J'ai perdu mon claim sur Gênes. C'est chier. Bon, ça devrait bah, Joseph von Habsbourg et la guerre qui est déclarée après sa naissance. Vive l'héritier, vive la guerre. Non, oups, j'ai mis clic. Chouan a pas suivi. Oups, j'ai mis clic. Clin d'œil. T'as eu combien pour ça? Mine, ça lance une croisade contre moi. Croisade. Ça m'étonne pas que Chouan nous ait pas suivi. Eowyn, tu fais quoi maintenant?